Bonsoir tout le monde, bonsoir. En tout cas, sincèrement, aujourd'hui, c'est pas une vidéo de clash, c'est pas une vidéo pour injurier quelqu'un. Sincèrement, désolé pour ceux qui vont prendre ça en mal. Vous voyez, Debordeaux est une personnalité publique. Debordeaux est une personnalité publique. Tout le monde peut lui parler, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Voilà. À l'artiste de voir, de faire la différence entre le bien et le mal. Voilà. C'est vrai, nous sommes ses fans. Voilà, nous sommes ses fans. On peut peut-être dire non, oui, ça, ouais, mais on n'est pas ses parents. Et puis même ses parents même ne peuvent pas venir parler dans cette histoire. Parce que nous qui sommes hein, ses fans, nous qui aimons sa musique, c'est pourquoi nous l'aimions. Si l'artiste ne produit plus d'œuvres, il ne sait pas pourquoi nous allons toujours l'aimer. Parce qu'il y a des artistes hein, qu'on connaît bien, comme DJ Sepanoa, DJ, les DJ, les anciens DJ là, ils avaient des fans avant. Mais aujourd'hui, s'ils viennent sur la scène publique, parce qu'ils n'ont plus chanté, n'ont plus fait sortir de tube, quand ils viennent sur la scène publique, ils sont inconnus. Pourtant, c'était des artistes qui étaient connus avant, c'était des danses, c'était DJ Asenat, on connaît bien ses sons qui ont moussé. Et il sait pas qu'il n'a pas dansé à cette période. Mais aujourd'hui, c'est au haut niveau qu'il joue la platine. Voilà. Donc, il faut comprendre que l'artiste, c'est par ses œuvres que nous l'aimions. Voilà. Et Debordeaux, c'est par ses œuvres que nous l'aimions. Parce que sans ses œuvres-là, il sait pas ce qui peut pousser un fan à le défendre sur les réseaux sociaux. Moi, je défendais parce qu'il chantait mieux. Et il était bon, un bon chanteur. Mais depuis le moment où il nous a trompés 2 à 3 fois, j'ai commencé à me poser des questions. Mais attends, l'artiste, même, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est normal. Je suis un être humain. Même mes propres parents, même avec les parents, on le fait. Donc, c'est pas avec un artiste que je vais pas le faire. Hein? Mais je sais pas. Youssef, en tout cas, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit là, c'est pas contre l'artiste. Ce n'est pas pour le dénigrer, c'est pas pour le mettre au bas niveau. Mais c'est pour l'encourager à chanter parce que c'est à cause de ses œuvres que nous sommes avec lui. Et qui t'a dit le gars ne l'aime pas? Il l'aime bien. Il l'aime bien. Mais tout simplement parce que l'artiste ne produit pas d'œuvre. Voilà pourquoi il insulte. Et il n'a pas insulté, il a juste dit la vérité, qu'il est fini. Mais nous tous, nous savons que l'artiste n'est pas fini. Il n'est pas fini parce qu'il a la possibilité de nous faire encore vibrer. Parce que si on dit un artiste a vibré, est fini, on ne le voit plus sur la scène publique. Mais lui, il est encore sur la scène publique, il a encore des gombos, il fait, mais il faut qu'il chante. Parce qu'aujourd'hui, on est fatigué d'écouter les anciens sons. Chose comme on appelle. Et quand il fait sortir un son, ça cantonne. Il fait sortir 250 tonnes. Mais pourquoi il n'accélère pas? Bon, il ne sait pas si c'est manque de moyens. Peut-être. On ne sait jamais. Chacun a ses problèmes. Ou bien de ces trucs qu'il doit faire là. Normalement, il doit écarter ses sons. Bon, chacun a ses trucs. Mais les fans veulent forcément écouter des sons. Voilà. Quand on n'écoute pas, on se décourage. Voilà, c'est normal. Maintenant, comme l'artiste lui-même prend souvent des exemples sur DJ Arafat, qui est toujours soutenu par ses fans et lui, ses fans ne le soutiennent jamais. DJ Arafat sort un son chaque, peut-être même semaine. Ouais. Mais tu avais DJ Arafat par rapport à quoi? Il faut commencer à profiter de lui. C'est lui qui profite de toi. Il t'utilise matin, midi, soir. Toi, tu as l'utilisé à quel moment? Son studio, tu ne veux pas aller chanter là-bas? Même si tu n'as pas l'argent, tu peux aller chanter dans le studio de DJ Arafat. Tu peux aller chanter. Bon, c'est pas un son de 300 000 que tu peux pas aller chanter, mon. Attends, mais attends. La promo, tes fans même vont le faire. Je sais pas, qu'est-ce qui ne marche pas avec l'artiste? On se pose des questions. Il y a des personnes, non, moi, ils m'ont enlevé dans le fan club. On dit non que parce que je me suis plaint de l'artiste. Non, mais attends, je suis pas quand même un mouton. Je suis pas un mouton. Je suis un être humain. Je vous rappelle que je suis un être humain, que j'ai aussi des pensées et des pensées que je dois exposer. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas regarder un truc et me taire. Je suis désolé. Voilà. J'aime bien Debordeaux, mais je l'aime, j'aime que ses œuvres. J'aime ses œuvres. Lui accompagné de ses œuvres. Mais une fois il s'écarte de ses œuvres, moi, je ne sais pas ce qui peut me pousser encore à être avec un artiste qui ne chante pas. Les artistes européens font sortir matin, midi, soir, des sons. Vous voyez? Et on les aime pour ça. Si Debordeaux faisait sortir
un album d'au moins 8 ou 10 titres. Et puis, il attend un an ou deux ans, trois ans. On dit oui, mais il a fait sortir son album. Mais ce n'est pas album qu'il fait sortir, c'est single. Bon, single là, tu attends un an avant de faire sortir un autre. Et puis, bon, les gens sont en train de non, tu mets les gens. Donc, chaque jour, c'est la partie dont tu fais espérer les gens. Et tu veux, vous voulez pas qu'on en parle? On va en parler. On va en parler et on en parlera toujours parce qu'on est sur le pied d'égalité. Voilà. Moi, je suis fan de Bordeaux. J'aime bien tous les artistes de Côte d'Ivoire, mais j'ai choisi de Bordeaux parce que lui, il chante bien. Sa voix me touche. Tout ce qu'il fait me plaît. Mais quand il ne chante pas, c'est différent. Parce que sa page est remplie de clash, d'injures et de n'importe quoi. C'est pas bien géré. Vous voulez pas qu'on en parle? Vous dites que vous avez tout dit à l'artiste, mais vous l'avez dit là, il n'a jamais rien réagi, il n'a jamais réagi. Bon, qu'est-ce qu'il attend? Bon, le jour où il va savoir là, le jour où vous-même vous avez dit, vous allez venir me dire, Jojo, voilà le véritable problème, j'aime me taire aussi et puis nous en entendre. Mais bah, la même que vous êtes serein pour attendre, moi je ne suis pas comme ça, je ne peux pas être serein comme ça, je suis désolé. En tout cas, je soutiens encore, comment on appelle, Youssef, qui détaille et qui pousse l'artiste à chanter. Arrêtez de rentrer dans les clashs de justification inutile là. Non, arrêtez ça. Ça prend plus. Arrêtez ça. C'est pas une manière d'aimer une personne. Quand on aime une personne, on lui dit la vérité. Voilà. C'est pas une manière de se cacher, ouais, pour avoir des privilèges, pour que l'artiste puisse. Non, 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 non. Quand tu aimes une personne, il faut lui dire la vérité. Pour que la personne puisse changer. Mais si tu lui dis jamais, et puis tu pars tout derrière lui pour le critiquer, alors tu ne l'aimes pas. Nous, on a toujours la possibilité d'être avec des gens et on leur dit toujours la vérité. La vérité, là, ce qui est plus bon. Quand tu lui dis, c'est vrai, il va dire oui, mon petit, il m'a dit ça. Hein. Il va s'écarter de toi, mais le lendemain, il va réfléchir, il va dire, mon petit avait raison. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Moi, en fait, c'est sur ça que j'aime m'arrêter. Voilà. En tout cas, tous ceux qui aiment des Bordeaux une coup fois. Tu as vu l'audience de Bordeaux Nkoufa totalement baissée. Voilà, totalement baissée. Tu as lu sa page. C'est les fans de Yorbo qui viennent parce qu'il est avec Yor qui viennent. Les vrais fans sont partis. Ceux qui l'ont soutenu quand ils étaient en clash. Et tous se sont volatilisés. Voilà, c'est la vérité. Ils sont volatilisés. Donc, j'ai l'impression que c'est les clashs qui arrangent des Bordeaux. C'est les clashs qui arrangent des Bordeaux. Si, sans les clashs, là, des Bordeaux ne peuvent plus chanter. Voilà, sans les clashs, des Bordeaux ne peuvent plus chanter. Et voilà la vérité. Sans les clashs, des Bordeaux ne peuvent plus chanter. Parce que depuis qu'ils se sont réconciliés, il n'y a plus clash. Parce qu'il y avait une concurrence. Mais depuis qu'il n'y a plus concurrence, alors les Bordeaux, ils se sentent victorieux. Ils se sentent victorieux. Mais à ce moment, des Bordeaux et Arafat, ils l'utilisent pour faire ses activités, et faire ses soirées. Ses manifestations et il évolue, lui il grandit chaque jour pendant que notre artiste il devient le repéro comme les gens le disent. Attends, moi j'ai honte quand je suis à côté de mes amis et puis on dit ton artiste est repéro de mon artiste. C'est honteux en fait. C'est vrai, on essaie de dire c'est faux, mais c'est la vérité. Ouais. Si vous voulez pas le savoir, moi je vous le dis, c'est la vérité. Il est devenu repéro. Il est dans tous les schémas d'Arafat sans lui-même profiter d'Arafat. Voilà, de son studio. Et de faire un feat avec lui, de le faire propulser les contrats d'Arafat, de faire les featuring avec les artistes hors du pays. Voilà, c'est ça un artiste. C'est de ça qu'on dit quand tu es avec quelqu'un, il faut profiter de la personne. Ce n'est pas d'être dans ses mouvements. Non. Moi, je pense qu'il est temps que l'artiste de Bordeaux profite de l'occasion pour s'associer véritablement avec le contact de DJ Arafat pour émerger aussi à un niveau très élevé, de ne pas attendre Arafat dans les soirées d'Arafat avant de faire une prestation. Je suis désolé. Yaki, il a fini de parler. Merci.